comité central d'entreprise entre les représentants des salariés de l'usine Michelin et la direction. Une réunion qui s'est déroulée à quelques pas de l'usine de Jouy-les-Tours. Objectif principal, permettre à l'expert indépendant mandaté par les syndicats de présenter les premières conclusions de son rapport. Des conclusions interprétées très différemment par les syndicats et la direction. C'est bien des licenciements économiques. Les chiffres que nous ont donnés les experts ce matin confirment bien que Michelin veut augmenter la marge opérationnelle et rémunérer plus l'actionnaire que les salariés, quoi. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que Michelin, pour gagner quelques points de marge opérationnelle, va sacrifier 750 familles sur Jouy-les-Tours. L'expert, effectivement, présente les difficultés du poids lourd et effectivement... nous ne pouvons pas continuer à produire avec deux usines en France. On se rappelle que tous nos concurrents, il ne reste plus un seul concurrent en France, nous sommes les seuls à produire du pneu poids lourd en France. On ne peut pas imaginer continuer à produire avec deux petites usines là où tout le monde est parti et où personne ne reste. Au syndicat maintenant de faire des contre-propositions à la direction. Prochain rendez-vous le 29 août, une réunion d'information consacrée aux mesures d'accompagnement. Les négociations devraient débuter début septembre et s'achever fin novembre.